Je suis ici à Niamey dans le cadre de la première réunion du comité technique du projet commerce transfrontalier pour la consolidation dans le delta Kogourma qui concerne les trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger. Le projet concerne une zone vraiment qui a trop souffert des problèmes de sécurité. Les populations n'arrivent toujours pas à revivre la vie qu'ils ont connue. Donc ce projet vient vraiment à point nommé. Parce que le projet touche les couches les plus utiles pour la société, les femmes, les éleveurs et les agriculteurs. Il n'est pas un secret pour personne que c'est une zone qui vit vraiment de l'élevage et de l'agriculture. La principale source de revenus même, c'est l'élevage. Et il ne manque jamais de conflits quand on parle d'agriculture et d'éleveur. Donc le projet met tout en œuvre pour mettre ces deux couches ensemble, les agriculteurs et les éleveurs, en renforçant leurs capacités, en réhabilitant des magasins de stockage, en rendant autonomes les femmes à travers des AGR, à travers des femmes, des zones qui vivent d'élevage, un élevage qui n'est pas bien exploité, en finançant des laiteries pour les femmes. Ce projet rend vraiment autonomes les femmes. Donc, pour le moment, le projet est vraiment positif. Je crois qu'avec un peu plus d'appui, tous les résultats escomptés seront atteints.